Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle playlist de programmes, un peu comme les programmes type, mais en un peu plus difficile, histoire de se faire un peu plus mal et de progresser, d'accord? Parce que le but est de progresser. On a commencé avec des petits programmes simples, mais là, on fait des programmes un peu plus complexes avec plus de techniques qui va t'aider à évoluer. Je vais prendre de ce pas mes BCA pour mon programme. Et on va faire les choses bien. Avant de commencer cette vidéo, ce programme, je tiens à remercier les modérateurs du Discord qui font un taf incroyable, mais aussi toutes les personnes qui aiment, qui partagent et qui soutiennent la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On part sur un programme pec-épaule en 3-3. Trois exercices pec, trois exercices, pardon, épaule. Premier exercice, il va bien nous réveiller les pecs tranquillement. On va se faire, hop, du développé couché. Tu peux faire de l'incliné si tu veux plus bosser le haut des pecs. On va faire 5 séries d'un côté en unilatéral, 5 séries de l'autre côté, 10 séries avec les deux. Et à la fin des 10 séries, on garde les bras en l'air avec un petit flex et on reste 10 secondes en tension. Ok? Ça va bien te réveiller. Allez, c'est parti, on va le faire 4 fois. On y va, on descend un bras et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Hop! On met le repos entre 1 minute et 1 minute 30 de repos pour être bien. Et moi, je mets mon petit trait. Ok. Je bois un peu de BCA. Pas pris de booster aujourd'hui. Mais les BCA vont faire l'affaire. Les BCA pour la récupération, il n'y a rien de mieux. Moi, je vais prendre 1 minute de repos. Toi, si tu sens que c'est un peu dur, prends 1 minute 30. Parce qu'il faut savoir, comme je te dis, moi, je prends 14 kilos. Parce que c'est un programme que je dois faire en te parlant en même temps. Je ne peux pas prendre mes charges de travail. Ok? Sinon, ça serait trop compliqué pour moi. Mais tu peux prendre 1 minute de repos aussi. Mais tu as le droit à 1 30. 53. Ok, je vais me placer tranquillement. Histoire d'être bien. Ouh. Comme on a dit. 5, 5, 10 et 10 secondes. Allez. Hop. Bras tendus. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. On reste en l'air. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Hop. On pose. Hop. On met le temps de repos. Deuxième, on en fait 4, c'est tranquille, c'est vite fait, c'est easy. On est là pour se faire mal, on est là pour progresser, on est là pour se mettre bien. Une petite gorgée de BCA, très important. C'est l'avantage des BCA en poudre, tu peux les prendre pendant l'entraînement. En cachette, tu es obligé de les prendre avant, mais en poudre, tu les prends pendant et c'est bien, ça agit bien. J'aime bien comment ça agit. Oh! Beaucoup de personnes attendaient ces vidéos de programmes où je les fais avec toi, de programmes un peu comme les programmes type. Et là, on les fait tranquillement. J'ai juste hâte de faire les bras. Je vais les faire en dernier. Par contre, je sais juste pas ce que je vais proposer pour les jambes. Ça va être un peu plus compliqué. 56. Allez, on y va. Hop. Ouh. On y va. Allez, 5. 1. 2. 3, 4,
5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Oh. Hop. Je mets le temps de repos tranquillement et je mets mon trait. On a 3. Oh. Ok. Il manque une dernière. Aujourd'hui, j'ai fait une petite séance. Ça me fait du bien. J'ai pris le booster le matin. Là, on est le soir, là, quand je fais la vidéo. Mais je sens que le booster du matin, c'est pas... En fait, je le sens pas faire effet, mais je le sens descendre. Et quand un booster descend, tu te sens un peu fatigué, mais en même temps en forme. C'est trop bizarre. C'est une sensation bizarre. Et là, je ressens ça. Mais bon, ça va bien se passer et la séance va bien se dérouler. Ouh. Allez, 55, 56, on y va. Je prépare tranquillement, hop, les poids. Allez, hop. Hey. 5, 1, 2, 3, 4, 5. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Ok, c'est la quatrième. Je mets hop, le temps de repos. Quatrième. On est bon. Bon, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. On va faire du développé couché normal, mais on va faire une série normale où on va hop, lever vite et on va descendre doucement. D'accord? On va prendre 3 secondes à la descente. Très important. J'ai beaucoup de petits tempos comme ça, mais ça va te faire du bien. Et crois-moi que ça fera la diff dans les programmes. C'est parti, 4 fois 10 répétitions. Allez, hop. 1, 1, 2, 3. On descend. Allez, c'est la première. Hop, 1, 1, 2, 3. 2, 1, 1, 2, 3. 3, 1, 1, 2, 3. 4, allez. Hop, 1, 2, 3. 5. Allez, hop, 1, 2, 3, 6, allez, hop, 1, 2, 3, 7, allez, hop, 1, 2, 3, 8, allez, hop, 1, 2, 3, 9, allez, hop, 1, 2, 3, dernière, allez, hop, 1, 2, 3, ok, ouf. Je mets, hop, mon temps de repos tranquillement. Hop, temps de repos, il est mis. Mon petit trait. Hop. Ça, c'est important. Les petits tempos comme ça, 3 secondes, 2 secondes à la descente. C'est bien, ça fait longtemps que tu fais de la musculation, si tu commences, bah tu verras les ressentis que tu auras si tu fais pas ça. C'est comme ça que tu as débloqué un peu plus de muscles, que les veines vont apparaître et que tu as progressé. C'est important. Il faut les faire, faut pas les négliger. Depuis tout à l'heure, j'ai un BCA, j'ai envie de les boire. Ah, c'est bon, ça fait du bien. Une prochaine fois, je mets des glaçons dedans pour vraiment que le goût tropical, il agisse bien là.
Hop, on a 1 minute, on va repartir. Faut que je retire le stylo. Et on y va. 3 secondes à la descente. On lève vite, on descend doucement. C'est parti. Hop. 1, 2, 3. 1. Hop. 1, 2, 3. 2. Hop. 1, 2, 3. 3. Hop. 1, 2, 3. 4. Hop. 1, 2, 3. 5. Hop. 1, 2, 3. 6. Hop. 1, 2, 3. 7. Hop. 1, 2, 3. 8. Hop. 1, 2, 3. 9. Hop. 1, 2, 3. 10. Dernière. Hop. 1, 2, 3. Ok. Temps de repos. Super, on a 2. On y va. On fait les choses bien, c'est important. Et ben ouais, hein, là tu vois, les petits programmes, je fais ma séance, on peut discuter en même temps, c'est trop bien. Si tu veux des conseils, si tu veux être soutenu, si tu veux être compris, si tu veux être entouré, ben il y a mon Discord qui est là, d'accord? Comme ça, il y a plein de gens qui partagent leurs conseils, qui montrent des vidéos, qui montrent leur expérience. Et ça, ça peut te faire plaisir, d'accord? Ça peut te faire plaisir, ça peut t'aider, tu te sentiras moins seul dans tes séances. Et tout le monde s'entraide, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas d'insulte. En plus, il y a des modérateurs pour ça qui font un job incroyable, dont je les remercie encore et encore. Donc, si tu as de la motivation, si tu veux partager ton expérience, si même tu es avancé, voire plus que moi, et tu veux aider les autres, le Discord est là, dans la description. Ok? On va repartir parce que 1 minute 3. Toi, tu peux rester jusqu'à 1:30. Tout dépend des poids que tu utilises. On y va. Allez. Hop. 1, 2, 3. 1. Hop. 1, 2, 3. 2. Hop. 1, 2, 3. 3. Hop. 1, 2, 3. 4. Hop. 1, 2, 3. 5. Hop. 1, 2, 3. 6. Hop. 1, 2, 3. 7. Allez. 1, 2, 3. 8. Hop. 1, 2, 3. 9. Hop. 1, 2, 3. On finit. Hop. 1, 2, 3. Ok. Hop. Arrêtez. Hop. On met le chrono. On a la troisième. Il en manque une dernière. Ça va vite. Ça va très très vite. C'est pour ça que on a toujours le temps de faire un petit programme en musculation. C'est comme ça que tu as évolué. C'est comme ça que tu as avancé. C'est comme ça qu'on va faire les choses bien ensemble. Ok? Moi, je sais que avec mon activité de vidéaste, voilà, faire des petits programmes, ça devient difficile. Mais on a tous le temps, une petite heure, 30 minutes dans la journée, c'est rien, d'accord? Tu peux faire un programme, tu peux évoluer, tu peux atteindre le niveau que tu as envie d'avoir. C'est important, il faut s'en donner les moyens, il faut se réveiller et aller. Tu prends une petite feuille, tu prends un tableau, tu notes, tu dis aujourd'hui j'y vais. D'accord? Les notes sur téléphone, ça marche pas. Fais un truc où tu as écrit et que tu peux le voir tout le temps. Ou alors tu notes et tu as une capture d'écran et tu le mets en fond d'écran de verrouillage sur ton téléphone et tu vas y aller, tu vas commencer. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on va loin. C'est important. Là, 58, 59, on y va, on fait la dernière tranquillement. Hop, allez, hop, c'est parti. On y va. Hop, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3, 2, hop, 1, 2, 3, 3, hop, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 5, hop, 1, 2, 3, 6, hop, 1, 2, 3, 7, hop, 1, 2, 3, 8, hop, 1, 2, 3, 9, hop, 1, 2, 3, on finit, hop. 1, 2, 3, ok. Là, je l'ai senti la dernière. Je l'ai vraiment senti. Je mets ma quatrième barre. On est bien. Je prends 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe à l'exercice numéro 3. Hop, dernier exercice. On va se faire
du développé couché en prise neutre, tranquillement. On va faire 4 fois 10 reps. C'est un peu l'exercice de fin des pecs, un peu exercice bonus, mais que j'aime bien. C'est mon exercice pec du moment où je sens bien mes pecs, donc je le partage avec toi. 4 fois 10 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Je mets mon temps de repos tranquillement, on est bon. Je resserre juste un haltère parce que s'il glisse sur ma jambe là, ça va pas le faire. Ok. On est bien. On est bien, on est bien. Je mets mon petit trait aussi. Sinon, je vais faire une rep en moins ou une rep en plus. Enfin, un exercice en moins ou un exercice en plus. C'est déjà arrivé. Oh. Allez, après c'est les épaules, tranquillement. On va bien envoyer et faire les choses bien. On garde de la force pour les épaules, histoire de faire un programme complet et aller loin par rapport à ça. Oh. 50 secondes, c'est tranquille. Pour l'instant, je me sens bien. Même si j'ai très envie de retirer mon Oh My Protein, qui donne plus de force. Si on l'achète avec le code DAMS. Et on y va. C'est parti. 10. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ouh. Très bien. On les altère doucement. Hop, on met le temps de repos. Et on est bien, deuxième trait. J'aime bien pousser en prise neutre parce que, je sais pas, c'est un exo où quand j'ai la rage, quand je le fais avec de la bonne musique, je prends bien appui sur le sol et bam, je pousse bien. Et ça me fait du bien. J'essaie de contacter mes pecs en même temps que je pousse, histoire de bien sentir mes pectoraux, d'accord? C'est important, les pectoraux, ça s'apprend à sentir. Au début, tu fais tes exos mécaniquement quand tu commences, ou tu me vois faire, tu fais pareil. Mais au fur et à mesure du temps, eh ben, tu verras que tu vas contracter tes pectoraux et faire le mouvement en même temps. Et la sensation sera différente. Mais la musculation, ça prend comme ça. Au début, tu fais un peu ce que tu vois, et après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu évolues, eh ben, tu vas apprendre à sentir tes muscles. C'est important, ok? Mais on bosse quand même et on se développe. Quand même, ok. Une minute, on va repartir tranquillement. Le temps passe vite. Et on n'a pas le droit de se reposer. Parce que on a un temps à respecter. On y va, c'est parti. Une, deux, allez. Trois, quatre, commande. Cinq, six, sept, huit, neuf. Et 10, très bien. Oh. Ok. Ok alors. Trois, il en manque une dernière au niveau des pecs et après c'est les épaules. Franchement, je pense que pour les épaules, je vais retirer mon haut. Je vais retirer mon haut parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus, là je suis bien, je suis prêt. Je sens mes pecs sont congestionnés, ils sont pas en mode full, mais je sens que je suis bien. Et comme ça fait un temps que j'ai pas fait de muscu, et machin, mon corps est un peu mouillé parce que mon corps a pas l'habitude de l'effort. Enfin, a perdu l'habitude de l'effort. En espace de une semaine, ton corps peut vraiment perdre le goût de l'effort. C'est un truc de fou. Je suis pas essoufflé en mode où voilà. Mais je sens que mon corps est bien transpiré, je sens quand même la fatigue de la séance qui vient de commencer. Mais bon, on va aller loin et on va chercher ce qu'il y a à chercher, c'est important. On arrive à une minute, tranquillement, on va prendre les poids et c'est parti pour la dernière. Hop, allez. Oh, on y va. Hey. Hey. Allez, une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Ok, très bien. Ok, on est bien. Je mets mon temps de repos tranquillement. Et mon trait de la fin, le trait de satisfaction. Hop. On prend 2 ou 3 minutes de repos et on passe aux épaules tranquillement. Ok, on a retiré le haut, on est bien, on va passer aux épaules tranquillement. Premier exercice, développé militaire en unilatéral. Je pense que mes bras vont un peu sortir du cadre, je suis vraiment désolé. Mais hop, on garde les bras tendus tranquillement. On baisse un bras, 5 d'un côté, 5 de l'autre et 10 les deux. Ça va faire mal, d'accord, mais on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut évoluer, il faut progresser et c'est comme ça qu'on va le faire. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. J'allais arrêter la vidéo au lieu de mettre le chrono. Incroyable. Heureusement que j'ai pas fait ça. Hop. On est à 1. On est bien. Là, tu vois, au niveau de la congestion, on est là. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, ça a bossé les pecs, mais aussi les épaules ont été sollicitées. Et quand on a des bonnes épaules, ben, comme moi, quand on a des facilités à prendre dans les épaules quand on bosse les pecs, et ben on est comme ça, on a des épaules et les bras congestionnés. Un peu les triceps, tout petit peu les biceps, et les pecs, bien évidemment, aussi. Ouh. Repos, 1 minute, 1:30. Nous, on sera un peu entre 1 minute et 1:30 à prendre 1 minute de repos parce que c'est un exo qui me fait assez mal, sachant qu'on est un peu fatigué quand même. Là, j'ai pris de l'eau, c'est bon. Le goût des BCA, il est bon, hein, mais j'ai envie de boire de l'eau parce que les BCA, ça donne soif. Ok, 1 minute 8, je me replace et je pars. Allez, on n'a rien sans rien. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok. Je mets mon temps de repos. Je vais souffler après. Pendant le temps de repos. Hop, on est à 2. Ça va très vite, ça s'enchaîne très vite. On a que 4 séries à faire. Tu vois? Que 4 séries à faire. Une gorgée d'eau, une gorgée de baisseur. Que 4 séries à faire, ça va très vite. Ok? Oh. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, ce qui va te faire progresser en musculation, c'est le temps de repos. D'accord? C'est le temps de repos. En salle de sport, très peu de personnes suivent un temps de repos. Très, très peu de personnes. Tout le monde le sait, mais personne le fait. D'accord? C'est pour ça qu'en le faisant avec moi, en le faisant ensemble, eh ben, tu vas bien évoluer, tu vas aller vite. Et ça, on a besoin d'aller vite, on a besoin de progresser, on a besoin, c'est important. 1 minute 5, on va mettre tout repartir tranquillement. Là, je bois beaucoup d'eau, mon ventre commence à se remplir d'eau. C'est pas bon. Oh. On y va, allez. Il en reste 2. Il en reste 2, on va les assumer tranquillement. Hop, hop, allez, 5, 1. 2, 3, 4, 5, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, les deux. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Oh. On est bien. On est très très bien. 3. J'ai pas eu mon temps de repos. Tellement j'ai envie de finir. J'ai pas eu mon temps de repos. Il en reste une dernière. Et après, deux autres exercices. Épaules. Allez. Moi, c'est pas parce que je suis fatigué que je vais relâcher ou que je vais abandonner. Il reste deux exercices. On va les envoyer comme il se doit. Comme on s'est dit, comme on s'est promis. C'est le plus important. Oh. Oh. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur la diète. Genre une diète prise de masse ou une diète perte de poids. Je vais sûrement la faire avec mon grand frère qui est coach sportif. Et diplômé. Donc je réfléchis juste à comment je vais la faire, comment je vais mettre ça en place. Histoire de faire une vidéo intéressante à regarder. C'est à la fois pour moi, pour mon frère, mais aussi pour vous. D'accord? Parce qu'on est là, on est dans le partage, on est dans le soutien, dans l'entraide. Je lis tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Que ce soit sur YouTube ou les questions sur Instagram, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et je suis désolé si j'ai pas répondu à certaines personnes. Mais je lis tous vos commentaires, toutes les demandes. Toutes les idées, je les lis. Ou sinon, il y a le Discord où il y a un espace idées de vidéos et tout. Allez-y, posez-moi des questions et j'y vais. 1 minute 27, on va repartir pour la dernière. Allez, hop. Allez, c'est rien. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok. Par contre, j'ai beaucoup perdu en endurance musculaire. C'est incroyable. Là, je le sens parce que ce que je fais de base, normalement, je le fais sans fatigue. Là, c'est incroyable. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Demain, on fait un test PCR et si on a le Covid, c'est très très bien parce qu'on aura un passeport sanitaire de 6 mois. Alors, là, je vais prendre 2 minutes 30 de repos, toi, soit 2, soit 3 minutes, et on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, on va se faire des élévations frontales avec haltères unilatérales, ok? On va en faire 10 tranquillement et 10 avec les deux. Ça va nous faire du bien, ça va faire mal. Mais ça qui est bon, j'ai baissé les haltères parce que voilà, ça fait mal, ok? Et ça sera bon pour moi. C'est parti. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Allez. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Hop. Sept. Allez. 8, hop, 9, hop, et 10, les deux, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, oh, on est très très bien, là il me semble, attends, je vais te dire j'ai combien de kilos là. Évolution latérale, unilatérale. On est bien. 2, 2, 4. J'ai entre 6 et 8 kilos. Parce que, à chaque fois, je sais pas combien elle fait ma petite barre tout seul. Mais j'ai entre 6 et 8 kilos. Pour les épaules, ça va. Tu vois, ça va. En salle de sport, en général, on dépasse pas trop les 20 kilos en général pour faire les épaules. Dans les exos, élévation latérale et frontale. Pardon. Parce que les épaules, c'est assez fragile, d'accord? Et c'est des mouvements où, à charge lourde, bah, c'est assez compliqué de les faire et on peut se blesser facilement.
Donc on reste aux alentours des 5, 10 kilos, voire 15 kilos si on est vraiment bon. Et ça s'arrête là, d'accord? Ça s'arrête là, tranquillement. Mais on est bon, on reste dans les cordes et on avance. Une minute, bon, on va partir à 1 minute 10, ok? 1 10, tranquillement. Toi, tu partiras à 1 30, pour moi, c'est la God Limit. Et après, on est bon. Allez, c'est parti. Hop. 1, très bien. Hop. 2, très bien. Allez. 3, on est sur la fin là. Allez. 4, pas le droit de lâcher. Allez. 5, c'est comme ça qu'on progresse. Allez. Hop. 6. Hop. 7, c'est dur pour moi aussi. Allez. 8. Hop. 9. Hop. Et 10. On fait les deux tranquillement, 10 et on y va. 1, 2, allez, 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On met le chrono d'abord. Ok. On est bien. Là, j'ai un peu mal au ventre à force de me baisser, mettre le chrono là. Oh, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. On est bien, on a notre trait. Et voilà, comme je t'ai dit, hein, c'est dur pour moi aussi, d'accord? C'est pas parce que je suis musclé ou je suis développé que je fais un programme, c'est facile. Ça peut être dur pour moi aussi. Je suis en reprise, l'endurance musculaire est partie. Les muscles, un peu, mais voilà, il me reste quand même une petite condition. C'est dur, d'accord? C'est dur. La musculation, bah, c'est comme ça. C'est quand on fait, au début c'est dur, après ça va, c'est tranquille. Et après ça devient littéralement facile. Quand tu arrêtes une semaine ou deux, et ben c'est comme si que tu recommençais depuis le début. Mais ton corps va prendre l'habitude assez vite, d'accord? Mais quand tu reprends, t'en chies. C'est comme quand tu fais du sport en club, t'es là, t'as tes 2 mois de vacances scolaires et tout, ou 2 semaines, tu reprends, ben c'est dur, d'accord? C'est dur, ça fait mal. Et eh bien, la muscu, c'est pareil, malheureusement. C'est pareil. 1 minute 11, on va repartir tranquillement pour la 3e série. Et on y va, on fait ça bien. Allez, hop. 1, hop. 2, l'avant des épaules. Allez, hop. 3, c'est pour la petite veine. Hop. 4, allez, hop. 5, allez, hop. 6, c'est comme ça. Allez, hop. 7, allez, hop, 8, allez, hop, 9, allez, hop, et 10. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je mets temps de repos. Ah, je mets mon petit trait. Troisième, il manque une dernière. Et il manquera le dernier exercice. Et là, on sera bien. Tu vois, la musculation, c'est ça. C'est ça, la musculation. C'est beaucoup d'entraînement où tu es tout seul, tu es dans ton coin, tu bosses dans l'ombre. Bon, moi, je suis pas dans l'ombre, hein. J'ai 2 spots lumière, des lumières rouges et tout. Mais en général, ben, tu bosses tout seul, tu bosses dans l'ombre. Les gens, ils voient pas ça. Tu vois, ce qu'on fait là, les gens, ils le voient pas. Bon, là, je me filme, je le montre. Mais en général, les gens voient pas comment tu t'entraînes dur. Les gens voient pas comment t'as mal. Les gens voient pas comment tu souffres pour aller loin. Personne ne voit ça. Personne va le voir. Et les gens vont juste voir les résultats et vont dire « Ouais, c'est facile. » Ou « Ouais, mais toi, c'était comme ça, c'est normal. » Ou « Ton origine. » Ou « Parce que t'as un Renoir. » Ou « Parce que tu viens de l'Est. » Ou « Parce que tes oncles, c'est des Italiens. » En fait, ça, à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, il y a une excuse, tu vois. Mais... la vraie chose, c'est que toi, tu t'es donné à fond. Tu as travaillé pendant que les autres dormaient ou les autres jouaient. Et c'est ça la vérité, malheureusement. On va repartir 1 minute 20 tranquillement. C'est la dernière. Allez, hop. Et 1. Hop. 2. Allez, hop. 3. Ok. Hop. 4. Ok. Hop. 5. Ok. Allez, hop. 6, ok, hop, 7, ok, hop,
8, ok. Hop. 9, ok. Allez. Hop. 10. Deux dernières. On y va. 1, 2, 3, 4, ok. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est bien. Ouh, je mets temps de repos. Mon quatrième trait. Ok, on part sur 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe au dernier exercice de ce programme. Dernier exercice du programme, pareil, élévation latérale en unilatérale. On va en faire 10, hop, d'un côté, 10, de l'autre côté, et 10 avec les deux. Un de mes exercices préférés pour avoir des bonnes épaules bien larges. Et c'est ce qu'on va faire tranquillement. J'ai pas bu d'eau pendant mon temps de repos. J'en bois. Et hop, on y va. Alors, il y en a qui prennent appui sur leurs jambes, il y en a qui prennent appui en dessous de leurs jambes. Et d'autres prennent appui en dessous le banc. Moi, je suis team en dessous le banc pour les élévations latérales en unilatérales. Donc, je prends appui et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je pose l'alter, j'en prends l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien, je prends les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, je mets le temps de repos tranquille. On est bien. Je suis content. En fait, je suis content parce que cet exercice-là, de base, je vais le mettre en premier. Mais je me suis dit, étant donné que je suis fatigué, je vais finir avec ça, que ça, je serai content. C'est l'exercice préféré et je serai content. Même si que le développé militaire, en vrai de vrai, faut commencer par ça. Enfin, je l'aurais mis en deuxième plutôt. Je l'aurais mis à la place d'évasion frontale. Parce que le développé militaire, c'est l'exercice qui requiert, enfin, où tu as besoin de plus de force, tu vois. Et tu prends plus lourd. Donc ouais, je l'aurais mis en deuxième. Mais je voulais finir tranquillement, dans la bonne humeur et en étant souriant. Parce que tout à l'heure, c'était compliqué. Là, je suis bien. En salle de sport, si tu es en salle de sport et que tu t'inspires de mes programmes, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une charge un peu lourde pour les élévations latérales en unilatérale. Par exemple, tu prends 10 kg pour faire ça et pour le reste, pour les deux, tu prends 5 kg. Ok, c'est un exemple. Tu peux prendre 20 kg, 18 kg, 16, tout dépend de ton niveau. Et tu verras que ça va te faire du bien. Là, on n'a pas le choix de prendre un seul poids parce que j'ai que deux haltères. Je ne peux pas switcher et tout. Ça va être chiant, ok? Mais fais ça en salle et tu seras bien. Prends deux haltères. 1 minute 23, on va repartir tranquillement. Allez, j'ai pas mis mon trait, je vais le mettre après. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prends les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ouh. Je mets mon temps de repos. On y va. On est bien. Et mes deux traits parce que on est à 2. Hop, 1, 2. Pour les élévations latérales, j'aime bien pencher vers l'avant un tout petit peu le buste, d'accord? Il y en a qui font vraiment tout droit, mais moi, j'aime bien pencher un tout petit peu vers l'avant parce que j'ai l'impression que c'est plus mes épaules qui prennent, tu vois? J'ai l'impression de bosser plus les épaules qu'en restant tout droit. En restant droit, j'ai du mal à bien ressentir mes épaules. Et je sens beaucoup mes trapèzes, d'accord? Sachant que je fais un mouvement relativement bas, je ne fais pas un mouvement haut de fou, mais je sens légèrement mes trapèzes quand je travaille droit, d'accord?
Donc je me penche un peu vers l'avant et je sens bien mes épaules, d'accord? Je sens bien, hop, la partie latérale. Et c'est ça qu'on veut bosser. C'est important. Je prends un peu d'eau encore. Demain, j'espère que mon test PCR sera négatif, enfin antigénique, d'accord? Parce que comme ça, je pourrais te faire du contenu en salle, un peu, retourner en salle, ça va faire du bien, pousser lourd, faire des vidéos, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en salle de sport. J'espère vraiment, parce que s'il est positif, c'est la fin, mais j'aurai un pass sanitaire de 6 mois après. Ah, je comprends rien dans ces règles du virus. 1 minute 21, on repart tranquillement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On s'altère délicatement et l'autre. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Quand ça fait mal, c'est que ça travaille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est bien. Hop, démarrer. Je mets mon troisième trait. Il en manque une dernière. Et après, on sera bien, on sera good. On sera tranquille. Oh. Mais ouais, j'espère vraiment que mon test soit négatif. D'ailleurs, en parlant de test, dans les tests PCR, enfin test antigénique ou je sais pas, il y a des endroits où ils mettent un coton-tige dans les deux narines. Il y a un endroit où ils mettent juste dans une narine. Moi, je demande à chaque fois. Vous, c'est une narine ou deux? Si c'est les deux, je fais pas parce que c'est désagréable. Mais si c'est une narine, c'est bon, je fais. Je souffre une fois, d'accord? Parce que moi, je suis un mec qui peut avoir des mauvais réflexes, d'accord? Je peux mettre des gifles, je peux mettre des droites sans le vouloir. C'est pas moi, c'est mon corps qui est comme ça. C'est-à-dire que quand on me touche mal ou il y a un truc, il y a une espèce de sel défense qui va venir. C'est pour ça que je préviens à chaque fois, je demande, tu vois? Parce que sinon, je vais blesser des gens sans le vouloir et c'est pas mon but de faire ça. On est à 1 minute 10, tranquillement, on va attendre. Hop, on arrive à 15 et on va finir ce programme tranquillement avec la dernière. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, on y va. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. L'autre. 1, 2, 3, 4, ok. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend l'autre, on fait les deux et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je n'ai pas tant de repos parce qu'on a fini. Je mets mon quatrième trait parce que ça, c'est important de le mettre. C'est le trait de satisfaction. Et on est bon. Bon, programme, pec épaule, les épaules sont congestionnées, les pecs aussi. Pour tous ceux qui disent que j'ai perdu des bras, dites-le moi si vous voyez avec la congestion. Moi, je peux pas bien voir, malheureusement, mais je pense que j'ai vraiment perdu. Mais bon, c'est rattrapable très vite et très facilement. Oh, on est bien, on a validé la séance. Félicitations à nous. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything. Who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.